Mission accomplie, Florence Artaud a battu son record de traversée de l'Atlantique en solitaire, et même si certains ne lui reconnaissent pas une valeur de véritable exploit. Florence Artaud est ce soir à Brest, elle est sûrement fatiguée, sûrement heureuse aussi. Jean-Philippe Guillain. 16h cet après-midi, Florence Artaud peut enfin laisser éclater sa joie. Quelques sauts d'allégresse, des gerbes de fleurs, et bien sûr les embrassades de sa mère venue l'accueillir dans le port de Brest. Première femme à avoir traversé l'Atlantique en moins de 10 jours, Florence a définitivement gagné le droit d'entrer dans la famille des navigateurs en solitaire. Olivier de Kersauzon a tenu lui aussi à la féliciter. Partie de New York sur son trimaran groupe Pierre Ier le 24 juillet, elle a effacé 7 nuits des tablettes, le temps réalisé en 87 par Bruno Perron. 9 jours, 21 heures et 42 minutes, un record qui doit beaucoup aux conditions météo et aux conseils avisés de son routeur, Louis Baudin. Mais Florence refuse de considérer sa performance comme quelque chose d'exceptionnel. Ça fait quand même pas mal de temps maintenant que je vis sur l'eau. Depuis 76, où j'ai arrêté mes études de médecine, je ne fais que du bateau, je ne fais que naviguer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc je me considère pas comme une femme qui fait du bateau, mais comme un marin. Cette traversée d'Atlantique, ce record d'Atlantique que je viens de faire est pour moi une épreuve parmi beaucoup d'autres. Une épreuve qui permet surtout à la navigatrice de redorer son image de marque et de rassurer son sponsor sur ses possibilités. Prochain pari pour Florence, toujours en solitaire, la route du Rhum, le 4 novembre prochain.